Vous corrigez des devoirs maintenant aujourd'hui et nous avons un groupe de bons élèves online pour corriger les devoirs que nous donnons là, plus nous vous faire encore quelque chose. Correct? Allez. Et voilà, on arrive là. Il y a seulement 5 élèves aujourd'hui. Ok? Il n'a pas encore arrivé. Il nous a besoin d'autres là. Correct? Comment va venir cette semaine? Voilà, mon vidéo, vous mettez off et devoirs nous vous corrigez là. Correct? Et devoirs qui nous peut corriger, il est là. Une minute. Les élèves peuvent rentrer. Ici, rentrer. Close. Ça close. Right, close. Voilà. Maintenant. Voilà, devoir qui nous va corriger et là nous fait un petit peu passe paper sur nos guides là. Ready, set, go. Vous pensez ça, devoir qui nous donne, correct? Et nous pouvons essayer de faire. Il y a deux méthodes. Déjà, méthode nous peut servir, division method, correct? Voilà, mon recap pour les élèves qui peuvent suivre la classe et vous pensez recording de faire, correct? Recording de faire, les élèves là qui vont suivre la classe là. Ok, question qui nous va discuter aujourd'hui, c'est convert. Voilà, le plume là. Ok, convert hexadécimal. Ok, vous n'avez pas de mémoire. Voilà, une minute. Une minute, mon plume il arrête de m'arrêter. Voilà, et là. Là, je vais venir avec moi aussi. Voilà, convert hexadecimal to binary. Et première méthode, nous finissons d'expliquer. Je vais écrire un heading. Aujourd'hui, nous allons faire deuxième méthode. Deuxième, non, sorry, sorry. Ça, c'est l'exemple que nous finissons faire. Et aujourd'hui, nous allons servir, voilà, convert, voilà, convert binary. Une minute ensuite. Conversion dinary into hexadecimal. Et de dinary to hexadecimal, nous allons faire une deux méthodes. Method 1, nous allons faire un heading. Correct? Nous allons faire un heading N16256. Puis vos valeurs, nous retirer. Deuxième méthode, nous allons faire par division method. Ça, c'est homework que je vais vous et je vais corriger. Et l'exemple là, dans le fait, nous allons faire pour 2000 nous avons convert 2004 de base 10. Nous pouvons faire living 2004 de base 10. Faire living base 16. Veut dire dinery. Dinery. Faire living hex. Hexadecimal. Correct. Et 2004, là, nous divisons par 16. Nous gagnons 125. Remainder 4. Et nous ramassons remainder là, nous mettons là. Et nous faisons 125 divisé par 16. Nous avons un remainder 13. C'est moi, dans le plan, c'est écrit 13. Je connais A, 10, B, 11, C, 12, et D, 13. Et E, 14, et F, 15. Et là, à cause de la 13, nous allons mettre D. Voilà, D. Et 7 divisé par 16, les 0, remainder 7. Voilà la réponse. Et quelle méthode nous allons faire? Second method, division method. Maintenant, nous corrigeons des voies. Nous avons pour convert dinery, c'est-à-dire base 10, faire divine base 16. Nous avons 98, nous divisons par 16. Correct? 98 divisé par 16, nous avons un coup de combien à donner. 98 divisé par 16, nous avons 6. Et nous avons un remainder combien? Nous avons un coup. Et 16 fois 6, 16 fois 6, divisé par 96. Et 96, 98, tiens, 96, il fait à 2. Il veut dire remainder 2. Et nous ramassons ça remainder là, nous gardons là 2. Correct? Ça, là. C'est-à-dire, nous prenons 6, nous divisons par 16, nous gagnons 0, remainder 6. Il veut dire réponse en base 10, divine 62. Voilà. Il veut dire 98 en hexadécimal, là, nous convertissons en base 16, divine 6D, de base 16. Ouais, allez, mais facile, hein. Tu en avais demandé, là? Allô?
Li korek la, zon kompran li? Zon gen sem repons? Ale, nou korize, nou pran lot limoro la, hein? Ale, suiv. Nou pou korize, nou pran lot limoro, de la nou pou esplika an kou vitse. Voilà, maintenant, nou nan dejem limoro. 227. Nou pe li da base 10, nou divise li par 16. Voilà, nous détenons tout ça combien faire. 227 divisé par 16, il fait à 14. Et remainder combien? 16 fois 14, il fait à 224. Retire 227 là-dedans, il veut dire reste 3. Et nous ramassons ça remainder là, 3 nous gardons là. Et 14 divisé par 16, il vient 0. Remainder 14. C'est moi d'abord écrire 14, nous écrire E. E représente 14. Le diable réponse c'est E. 3. C'est qu'un coup. C'est bon? Bon, pas bon. Vous avez la même réponse? Allô? Allez, nous continuons à participer. L'autre exemple 4, 9, 0 divisé par 16. Voilà, 4, 9, 0 divisé par 16, il fait à 30. Et remainder combien? 16 fois 30, 16 fois 30, il fait à 480. Et 490 tiers 480, il peut faire à 10. Je veux dire remainder 10. Mais c'est moi de place, mais que remainder 10, nous vous visons avec un A dans ce place. Maintenant, 30 divisé par 16, il fait à N. Ouais, remainder combien? 30 tiers 16. Remainder. Rétiment? Ouais, remainder 14. Et dans place écrire 14, là, nous pouvons écrire E. Correct? Et N qui est resté là, nous divise par 16. Et pour 0, remainder 1. Ça veut dire ça, N là. Ça veut dire réponse, nous avons N, E, avec A. C'est moi qui suis capable de checker si tu réponds bon ou pas bon. Si existe écrit N, N, 16 et 256. De là, tu as multiplié, tu as ajouté, tu as la même réponse. Oui, oui. Correct, tu as gagné ça? Tu as gagné ça, réponse ça? Allez, checker si tu as arrivé à dire moi. Maintenant, on prend le numéro. Je vais recoder cette session-là. Si jamais j'ai un problème, le cas avec vous, nous pouvons appeler ça. Non, passe pas là, je crois. Allez, maintenant, le 5NN divisé par 6. Correct. 511 divisé par 6. Il fait à 31. 31 multiplié par 6. Il fait à 496. Retire 511 là-dedans, il fait à 15. Remainder 15. Mais de place écrit remainder 15, 15 se place avec F. Correct. Et 31 divisé par 16, il fait à toi N. Et remainder combien? 31 tiers 16. Il fait à 15 en cours. Et 15 nous regagne F. Nous réduisons ça N là par 16, nous gagnons 0, remainder 1. Et nous mettons ça N là là. Réponse dans ce cas là, il N, F, F. Correct. Allez, maintenant, vous pouvez faire ça. Correct là, vous pouvez continuer. Il y a des élèves qui attendent dans la classroom, vous pouvez attendre. Il y a des élèves qui attendent. Non? Qui donnent. Voilà, nous laissons le banzé de là rentrer. C'est un peu plus cher. Correct, c'était nous continuer avec nos classes. Voilà. Maintenant, nous allons corriger les devoirs. Banzé qui nous fait rentrer. Nous référons. Si vous avez des difficultés de diamant, vous pouvez jeter. Nous pourrons essayer pour les élèves qui ont des difficultés à l'imbro là. Nous devons faire deuxième méthode, nous appelons ça division méthode.
attaque, la défensive. Donc, ici, c'est dans Rosely Bertando, admitted. Oui, on va corriger des voix. Capable, on pourrait faire du coup, on va aller un peu en retard, pas grave. Ok, go pull and join. Right, on va suivre la classe là. Voilà. Voilà. On va laisser en Rosely Bertando join. Et puis dans l'île. Ok. Voilà, je suis dans sa livre, je peux faire un devoir là. Nous prenons raté un petit peu de refaire. Nous prenons là. Hein? Correct. Allez. Maintenant, vous avez les King Join un peu en retard. Nous expliquons les là quand nous arrivons. Ok. Nous faisons. Voilà, nous arrivons là. Hexadécimal, nous peux causer. Voilà, nous arrivons là. Correct, pour Vanzele qui est en retard, c'est nous pouvons convertir hexadécimal. Voilà, là nous avons. Correct, nous pouvons faire ça, Vanzele qui est en retard, nous pouvons convertir dinerie, faire une hexa. Correct, nous pouvons référer pour Vanzele qui est en retard. Et nous avons deux méthodes, un heading method, deuxième, on appelle ça division method. Et un exemple qui m'a fait ici, c'est nous avons 204, dans 2004, nous pouvons faire base 10, nous pouvons faire living base 10, nous pouvons faire living base 16. Ok, base 16. Qui nous fait, nous prenons 204, nous divisons par 16, nous gagnons 125, remainder 4. Et nous ramassons remainder là, nous gardons. Nous prenons 125, nous divisons par 16, nous gagnons 7, remainder 13. C'est moi de placer que remainder 13, nous connaissons A les 10. B li 11, C li 12, D li 13, E li 14 et F li 15. Il y a deux places qui sont 13, nous avons D dans cette place. Voilà. Et 7 divisé par 16, les 0, remain de 7. Sa réponse. Je veux dire, ce que nous faisons là, nous convertons. Qui nous convertons? 2004. En base 10, nous faisons livre une base 16, nous écrire comme 7, D, 4 de base 16. Mais nous faisons dinery, une hexa, et nous faisons ça par division method. Maintenant, nous pouvons référer les bons élèves qui sont en retard. Nous pouvons faire dinery, une hexa, et nous pouvons faire division method. C'est-à-dire 96 divisé par 16. Bon, là, nous avons 96. Je vais référer 96 divisé par 16. Je vais référer les bons élèves. Et 6 remainder combien? Bon, 6 fois 16, il fait 96. 98 tiers 96, il fait 10. Tu ramasses remainder là, tu mets là. Et tu fais 6 divisé par 16. Il fait 0, remainder 6. Voilà 6 bien. Je veux dire 96, on va faire une hexa, une 6D. Correct? Ça, on finit d'expliquer. Je vais référer pour vous qui est un peu en retard. Ok? Voilà, voilà, voilà. Maintenant, nous avons dessiné en cause l'élève en retard là. Si ça m'a dit, join up. Nous avons un coup. Les élèves sont admitted. Je vais référer. Ok, mon pensée. Monsieur, mon camarade peut attendre. Correct, nous finissons ici. Voilà, il y a ce bon élève online. Correct, et nous continuons à faire nos devoirs. Voilà. Voilà, ça nos devoirs. Maintenant, on reprend déjà l'exemple. 2, 2, 7. Divisé par 16, check ça bien.
7 divisé par 16, il fait à 14, c'est qu'un coup 14 remainder combien? Il veut dire 14 fois 16, il fait à 224, retire 2d7, il veut dire mon gain remainder 3. Voilà, mon ramasse ça remainder 3 là, mon gars là. 14 divisé par 16, mon gain 0, remainder 14. Et ça 14 là, mon converti. Je connais cette taille là, mais tu fais 14 converti, il vient E. Correct, 14 converti, il vient E. On peut refaire la question là pour vous, pour vous dire, car suivre. Je dire, réponse vient E3. C'est quand même que tu m'as fait erreur de dire. Maintenant, on va prendre l'autre exemple. Ok, on va prendre l'autre exemple pour vous dire, suivre. Correct là, ça c'est division method là. Hein? On va doucement, doucement pour vous dire, car suivre. L'autre exemple, c'est nous prendre 490, nous diviser par 16. Voilà, 490 divisé par 16, il fait à 30. Remainder combien? Bon, 30 fois 16, il fait à 480. Retire 490, reste 10. Ok, ça 10 là, nous écrit comme A. Et 30 divisé par 16, il est N. Remainder combien? Remainder c'est 30 tiers 16, 14. Et 14, nous crédit comme E. Bon là. Et N, divisé par 16, c'est pour 0, remainder 1. Et ça remainder 1 là, où est crédit là. Et la réponse, il y a N, E, A. Correct? Je vais effacer. Si nous allons attendre, je vais connaître. Moi, je vais connaître. Nous allons attendre le. Class WhatsApp non là-bas moi déjà Zoom non les participer ensemble en moi ne vous corrigez voilà nous Zoom bien team ouais ne vous corrigez voir il a zélé Bertin non ok allez il a zélé Bertin Voilà. Maintenant, le numéro 511 divisé par 16. Combien il fait ça? Check and put. 511 divisé par 16. 511 divisé par 16. Il fait toi combien? 31. Remainder combien? 31 fois 16. Il fait toi 496. Tire 511 là-dedans. Il fait toi 15. Bon, dans la place, écrit 15, nous pouvons écrire F. Divisé par 16, nous pouvons écrire N, remainder 31 sur 16, 31 sur 16, 15. Il fait à 15. 15 là, ré encore une coup de F. Et divisé par 16, il fait 0, remainder 1. Je veux dire, ramasse remainder là. Je veux dire, réponse pour ça, nous avons N, F, F. Correct? Je vais continuer à expliquer. J'espère tous enfin qu'à suivre. Correct. Je vais expliquer comment faire une conversion là, très très important. Je ne fais des voix là, mon père Corizli pour vous. Il y a encore des voix pour faire, je dois habituer aux autres. Voilà. 826 divisé par 16. 826 divisé par 16, il fait à 51. Remainder combien? Il y a 51 fois 16, fait 816, retire 826, il fait à 10. Bon, de place 10, nous écrit A. Et 16 divisé par 51. Il veut dire 51 divisé par 16, il fait à 3. Et remainder 16 fois 3. 16 fois 3, il fait à 48, retire 51 là-dedans, il fait à 3. Je veux dire, on ramasse ça remainder là-dedans. Et 3 divise, non, 16 divise par 3, il vient 0, remainder 3. Et ce 3 là, tu écris là. Allez, réponse, il vient 3, 3, A. C'est check and put. Tu gagnes ça ou ça non? Bon. Allez, nous prenons l'autre question maintenant. Ok, si je vais suivre moi, nous prenons l'autre question.
C'est dans les pertinements fermés connus. Mais aujourd'hui, nous avons corrigé des voies, j'espère que je vais suivre. Allez, 1000. 1000 divisé par 16. Right? 1000 divisé par 16, il fait toi 70. Allez, 70 fois 16, il fait toi 992. Retire 1000 là-dedans, il fait toi remainder 8. Il me ramasse sa remainder 8 là-là. Je me redivise par 16. 70 divisé par 16, il fait à 3. Il remainder combien? 16 fois 3, il fait à 48. 48 plus 70, il fait à 14. Il y a deux places avec 14 ici, il y a U. Alors, cluster reste 3. 16 divisé par 3, les 0 remainder 3. Et ce 3-là, nous ramasser là. Et la réponse, il y a 3, E, 8. Correct. Allez, nous battons l'autre. Mon corps, c'est un peu habitué à lui. Nous effacer. C'est la question de diamant. Allez, nous allons utiliser les panneaux de voir là. Nous vous posons des questions là. Ok. Nous allons expliquer comment faire sa conversion là. Et combien de numéros nous allons faire pour pratiquer. Allez, ça maintenant. 2634 divisé par 6. Correct. 2634. Divisé par 16, mon gain 164 et remainder combien? 164 fois 16, mon gain 2624, retire 2634, mon gain remainder 10. Et la double place est à 10, mais pas A. Divisé par 16, 164 divisé par 16, mon gain 10. Ouais, 10. Remainder combien? Je vais dire 160. Il y a 160, il y a 64, reste 4. Il y a moins que 4 là. Et 10 divisé par 16, il y a 0, remainder 10. Et d'après c'est que 10, c'est que A. Il y a réponse ici, A, 4, A. C'est quand même que tu gagnes sa réponse là. Allez, c'est du bon, on continue. Oui, allô, oui, Ramdani. Oui, bon après-midi, dis-moi. Oui, qui classe t'étais? Ouais, ouais, nous commencer samedi. Et ouais, mon pas toi. Mon pour directeur, mon pour directeur, on est qu'avec moi. Que dans mais ça, t'as l'air de seulement après 5e, mon boulot. Ok? Allez, merci. Allez, maintenant, nous prenons l'autre exemple. Correct là, pas tout. Mon ben, l'exemple, bon, là, je vais suivre. Tout ça va me dévoiler, là, mon mauvais corriger pour vous là. Nous parlons encore plus vite, il y a deux méthodes, nous pouvons dire autres. Méthode 1, N, tu finis sa deuxième méthode par division, nous faisons. Et je ne trouvais pas de travail, là, tous les enfants connaissent comment vous travaillez. Et nous prenons encore l'exemple, hein. Allez. Bon, on prend ça l'autre question, là. 3743 divisé par 6. Allez, nous faisons un écoute. 3743 divisé par 6. Diffère-toi 233 et remainder combien? Vous faites 233 fois 16, diffère-toi 3728, retire 3743. Remainder 15, bien bon, très très bien. Et d'après c'est 15, moi écrit F. Je ramasse remainder là, moi écrit. Et divisé par 16. 233 divisé par 16. Mon gars, 14. Vous pensez tous élevés, comment est-ce qu'on prend ce terme? Et 14 fois 16, 1 minute, 14 fois 16, c'est pas 224, retire 233 là-dedans, vous avez un remainder 9. C'est quand même good? 9. Mon écran 9 là. On divise ça par 16, mon gars 0 et remainder 14. Et remainder 14, 14 c'est E, mon pense. E, F. Et ça, c'est son réponse, Livine E. 9 F. Correct. Bon, on reste encore deux pour faire. On va s'abîmer là et nous finissons. Correct, on va donner une autre réponse. Par contre, on prend Diana. Tu sais, voilà, on va corriger le truc. Correct. Allez, corriger, corriger, corriger. On espérait la plupart des élèves viennent faire des voix et je vais corriger ce devoir là ensemble avec moi dans notre cahier. Parce que tu sors un dévoilé que vous gagnez ou faire. Allez, 4007 divisé par 16.
Bettencourt, 4007 divisé par 16, fais-toi 250. Et remainder combien? C'est 250 fois 16 et retire 4007, remainder 7. Et tu ramasses ça, c'est là, tu es très là. Tu divises par 16, il y a 250 divisé par 16, il fait à 15. Et remainder combien? 15 fois 16, c'est à 240, tiens 250, c'est à 10. Il y a A. Et 15 divisé par 16, il 0, il 15. Et 15, c'est F. Voilà, réponse c'est F A 7. Bon, là, j'ai gagné. Allô? Allez, nous continuons. Ok, nous continuons là. Hein? Maintenant, moi, je fais ça. J'espère que tous les enfants nous suivent. On fait une vidéo pour ça. Et j'espère que tous les enfants suivent ça, la vidéo là. Et je corrige le devoir. Maintenant, après ça, nous avons encore une question qui nous montre dans le papier d'examen sur la bouffée. Beaucoup de travail, nous avons fait. Ça, c'est base. Nous faisons un peu base avec eux. Une conversion presque finie. Et mon corrige tout les voies. Voilà, 5000 divisé par 16. Voilà, 5000 divisé par 16, mon gain 31. Remainder combien? Veut dire 31 fois 16. Veut dire 480. On fait rien là. 31 fois 16. Hein? Ok. Comme calculatrice peut de ma faute. C'est pas grave, nous mettons un coup là. 31 fois 6. 31 fois 6 fait 400. Fait rire. 5000 divisé par 6. Oh, là, il y en a rien là. Ouais, c'est 312. Et remainder ici. 312 fois 16. Tu sais qu'il y a une coupe, tu me verras. 312 fois 16 fait 4992. Retire 5000 là-dedans. Mon gars, remainder 8. C'est vrai que tu as la même réponse en moi. Et ça divisé par 16. 312 divisé par 16. Il fait 19. Et 19 fois 16, 19 fois 16. Ouais, 19 fois 16, 304. 304, retire 312. Remainder 8 même. Bien bon. Très bien. Et là, divisé par 16, c'est-à-dire 19 divisé par 16, il fait 1. Remainder combien? 3, mon bon. Ok, et 16 divisé par. N divisé par C égale 0, remainder 1. Et la réponse. C'est quand même une faute diamant. Le cas cross, c'est cette réponse. N, 3, 8, 8. Correct? Il est bon là? Allez, on corrige tout les voies. Maintenant, je vais vous faire une autre affaire qui est intéressante. Correct? Mais vous guettez si nous avons encore un devoir. Là, nous vous faire un devoir, un papier d'examen. J'espère que le cas suivre. Correct? Allez, une minute à zut. Dans 10 minutes, si ça zoom là fini, on peut mettre une autre session zoom pour zut. Au moins un petit peu de temps encore. Ok. On peut si joule une autre session. Il est supposé fini. Qui est supposé fini là? Tantan, on met un coup là. 4h15, il est supposé fini là. Bon, on va mettre une autre session là-dedans, 4h15 à 4h15, je suppose, c'est fini. Une demi-temps encore. Ok, voilà. Là, si jamais il est fini, nous gagnons un peu plus les temps en jeu. Ok, nous continuons là. Nous donnons un jeu encore, nous faisons un devoir encore. Nous espérons que tous les enfants vont suivre place là. Un message, mais suite à l'air, bon, et une leçon. Ok, moi je fais vidéo, pas grave. On se réveille à suivre vidéo. Allez, là, nous continuons à expliquer.
Mwen se Evelina. Forek. Yes. E la, mwen kwen an kou devor pou jout la. Espere de tout l'étonnement. Les meetings là, les continuer là. Maintenant, deux voir que vous checker en cours là. Vous essayez de checker une affaire là. Une aide de livre. Appelle ça. Ça, une aide de livre, vous êtes. C'est cool. Ok. Ok. Maintenant, avec un coup. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes ça là, je suis ça bien. Une minute. Voilà, voilà. Vous êtes déjà devoir. Vous suivez ça. J'espère que vous suivez, hein, je vais trouver. Allez. On peut zoomer un petit peu. Essayez de suivre. Bon, ça c'est un livre, un revision guide. Ça. Correct, nous allons faire révision là-dedans, nous allons montrer. Bon, binary. Moi je vais trouver binary system, je vais dire avec hexadécimal, là je suis là-bas, c'est là. Je vais dire qu'il y en a qui veut dire binary. Binary veut dire base 10. Binary veut dire base 2. Hexadecimal veut dire base 16. Ok, hexadecimal veut dire base 16. Ok, maintenant là, nous avons qui l'une de nous. Nous allons convertir ce chiffre là. Allez, je vais vous essayer ça ensemble. Hein. Convertir ce chiffre là en binaire. Nous allons faire ça pour vous 0, n, n, 0, n, n, 0, n. Lida base D. Lida base D. Le PDS fait livre une base 10. Mais il y a une heading des bases D. 1, T, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nous multiplions chaque chiffre par ce power. Il y a 1 plus 0 plus 4 plus 8 plus 0 plus 32 et plus 64. Veut dire 64 plus 32 plus 8 plus 4 plus n. Voilà, j'ai trouvé 64 plus 32 plus 8 plus 4 plus n. Réponse 109. Ok, réponse 109. Veut dire ça, c'est bonne question d'examen que vous pouvez discuter avec eux. Note ça, mes deux cahiers. Moi, nous faisons ça. Voilà. Et me zoom lien si vous allez trouver. Je vais commencer par l'examen un petit peu là. Dans l'examen pour ma question à poser. Et comment je vais vous répondre. Vous êtes en moi là de la même. On est correct là, hein. Je vais suivre. Allez, nous regrettons là. Nous avons une petite libérée, vous voyez. Voilà. Voilà ça qui nous peut expliquer là. On peut répondre à la question là, vous êtes. C'est suivre, si je n'ai pas compris, je pose des questions. On va zoomer un peu pour que je trouve le plus bien. Voilà. Mettez ça dans le cahier. Je vais dire convert, je vais trouver convert, ce chiffre-là en base 10. Vous enfin trouvez là, on va zoomer pour que je trouve le plus bien. Mettez ce chiffre-là dans le cahier. C'est comme ça, c'est plus en bizarre. Rock, je dis à mon écrire. So, voilà, mon écrire. Voilà, N, 0, N, N, 0, N, N. Mon écrire sur heading. N, D, 4, 8, 16, 32, 64. Et là, je multiplie chaque nombre par ce heading. N fois N, N. 0 fois D, 0. N fois 4, 4. N fois 8, 8. 0 fois 16, 16. N fois 32, 32, N fois 64, 64, 64 plus 32 plus 8 plus 4, il fait 109. Mais ça, c'est la réponse, il 109. 109 de base 10, hein?
et ça va être la fille d'ignorer. Correct? Mon cas expliqué, je me suis fait aller. C'est correct, Ali? Allez, nous prenons un autre numéro, Astin. Nous prenons un autre numéro. Allez, l'autre numéro, c'est Convert and Dinery. Voilà ce chiffre-là. En binary. Right? Il y a deux méthodes. Right? Moi, je explique deux méthodes. Nous prenons la première méthode. Nous avons besoin de donner du monde 147 roupies. Nous écrivons sous heading. Voilà. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Maintenant, moi, je vais donner du monde 147 roupies. Ok. Est-ce qu'il me donne 128 roupies? Oui. Je vais donner 128 roupies. Voilà, je veux dire 147 roupies, retire 128, il fait 19 roupies restées. À cause de ça, d'être un service 128, tu mets un là. Mais, tu ne peux pas donner 64 roupies, tu mets 0. Tu ne peux pas donner 32, tu mets 0. Mais est-ce qu'il a 19 roupies qui est resté de cas de 16 roupies? Oui. De donner 16 roupies, après ça, tu mets un là. Ça veut dire 19 qui a 16, il fait à toi, reste 3 roupies. Il y a 0, 0, tu as donné 8 roupies, tu as donné 4 roupies. Maintenant, est-ce qu'il te a donné 2 roupies? Oui, tu donnes 2 roupies. Alors, tu mets un là parce qu'il te donne 2 roupies. Et combien restait 1 roupie? Et si tu as donné 1 roupie encore, 8 te donne 1 roupie. Et combien reste 0. Voilà. Maintenant, comment tu checker ta réponse? Bon, check. Tu vas faire n fois n. Il fait ta n plus combien? 2. 4 là, tu vas pouvoir ajouter parce qu'il est 0. 8, tu vas pouvoir ajouter, il fait 0. 16, tu vas ajouter. 32, tu vas pouvoir ajouter. 64, tu vas pouvoir ajouter. 128, tu vas ajouter. Voilà. 128. Plus 16, plus D, plus N, il fait à toi, total c'est 147. Je veux dire OK. Check. Voilà, correct. Et bon, là, tu es en train de comprendre. Comment check ma réponse, tout? Allô? Allô? Je me suis là, ça se met à couper. Ok, je vais rentrer là. Ok. Ok. J'ai les petites rentrées, nous suivons la salle là. Tout le monde est en train de rentrer là. Ok. Correct. Tu es en train de rentrer là. Hein? Sinon, en cause, je vais pour rentrer. Tu as l'air de guetter. Correct. Allez. Maintenant, on arrive, nous refaisons ce numéro-là. Voilà. Allez, déjà, qui numéro est arrivé, la zone coupée, mon référent. Il y a quelques zones suivent, la zone coupée. Rédiamant, 147 là. Allez, 147 là. Allez, 147 là, mon référent, vous êtes. Veut dire, si tu viens pour donner un dimoun, 147 roupies. Veut dire, 147, il y a base 10, ça. Et tu viens faire une binary. Tu écris un heading 1, 2, 4, 8, 6, 32, 64,
Et tout ce qu'on a mis, 428, 256, si tout ce qu'on a mis là, c'est moi l'être que vous avez mis, 0. Maintenant, tenant pour donner du monde, 147 roupies. Tu n'as pas donné 128 roupies à cause de ton mécanisme là. Tu n'as pas donné 64 roupies. Parce que 147, tu as 128, tu fais 19. Et dans 19, tu n'as pas donné qui restait là 64. Tu n'as pas donné 32. Mais tu as donné 16. Voilà, 19, tu as 16, reste 3 roupies. Tu n'as pas donné 8 roupies parce que tu restes 3 roupies pour donner. Tu n'as pas donné 4 roupies. Tu as donné 2 roupies. Et tu as 2. Et là, reste 1 roupie. Tu as donné 1 roupie. Voilà. Maintenant, comment tu peux checker ta réponse bon par bon? Je vais dire, tu as multiplié n plus d, voilà n plus d, voilà plus 16, voilà plus 128. Et là, tu peux gagner une réponse 147. Je vais dire, ok, good. Tu as ta réponse bon. Correct? Maintenant, on a une autre méthode faire. Ça, c'est une méthode. On gagne une réponse. On convertit 147 en binary, sa réponse c'est N00N00NN. Si tu as envie de mettre 0 par devant, il n'est pas grave, tu n'as pas sens, non, il n'y a pas sens réponse. Là. Parce que 0 fois heading, là il fait 0. Maintenant, on continue. Pour un évangélé, il peut rentrer dans les autres. Voilà, on était encore là. Voilà. Voilà. Bon, référez-les vous autres. On arrive là. Voilà. Et là, nous avons une deuxième question. J'espère que dans l'autre cas, vous maîtrisez, vous avez une vidéo. Maintenant, 147, nous allons faire une binaire. Nous allons servir deuxième méthode. Deuxième méthode, tu prends 147, tu divises par 2. Divine 73 et te remainder li 1 et te ramasse sa remainder là te mettre là et 73 divisé par 2 il fait 36 remainder 1 te ramasse remainder là te mettre là et 36 divisé par 2 il 18 remainder 0 te ramasse remainder là te mettre là et 18 divisé par 2 il fait 9 remainder 0 te ramasse remainder là te mettre là et 9 divisé par 2 divine 4 remainder 1 te ramasse remainder là te mettre là 4 divisé par 2, il y a une D, remainder 0, tu ramasses 0 là, tu mets là. Et D divisé par 2, il y a une N, remainder 0, tu ramasses 0 là, tu mets là. Et divisé par 2, il y a une 0, remainder 1, et tu ramasses N là, tu mets là. Maintenant, comment tu peux checker tes réponses bon par bon? N, D, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Je vais dire 128 plus 16 plus D plus N. Je vais dire que vous avez une réponse. Vous avez une réponse 147. Je vais dire OK, good. Allez, maintenant, là, il est correct, là, tous enfants, ils comprennent, que ça va, ils comprennent, diamant. Allô? Allô? Il y a quelqu'un online, là? Je vais suivre, je vais comprendre ce numéro-là. Allô? Allô? Zoom là, online. Allô? Oui, je vais suivre les mots là, je ne comprends pas. Où ça m'aurait fait aller? M'aurait fait aller, ça correct. Ah, si correct, moi continue là. Hein?
On finit dans les autres, on prend un autre numéro. Combien pour ça? Quoi tiens, tu l'as fait depuis? Ça faisait 2210 caméras pour adapter là qui me fait mieux. Mais qui est ça? On a 150 000. Allez, maintenant, on va prendre l'autre numéro là. Ouais, on va prendre l'autre numéro. Voilà. Ça des voiles, hein. Sample question. Dans l'examen, il y a des questions avec moi aussi. Allez, je vais faire ça ensemble avec moi. Je vais suivre là. Convert the following binary. Voilà, binary to binary. Voilà, sa question là, je vais faire. Right? 0, 0, N, N, 0, N, N, N. Il y a binary. Il peut être fait une binary. Il peut être fait N, D, 4, 8, 16, voilà, 16 et 32. Je vais dire, il faut 32 plus 16 plus 4 plus D plus N. Ça, c'est la réponse là. Ok? Alors, 32 plus 16, 32 plus 16 plus 4 plus D plus N, il fait 55. Voilà, 55. Et moi, je vais écrire ça 55 là. Et ça, il fait ce calcul là, les lignes de nous. Ça, c'est ce answer. Right? On va prendre le numéro? Oui ou non? Allô? On va prendre le numéro? Allez, right. Maintenant, deuxième numéro, je vais faire lire ensemble au moins ça. Right? Allez, nous écrire 0, N, N, 0, 0, N, N, N. Qui nous écrit ce heading? Heading de base de N, D, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Je veux dire, pas 0, il pour 0, il vient 2 plus 4 plus 32 plus 64 plus 128. Plus 128. Il faudrait nous ajouter. Voilà notre réponse. 2 plus 4 plus 32 plus 64 et plus 128. Réponse mon gars, 230. Voilà, si nous écrivons ça, il y a 230. Et voilà l'infi à ça, la ligne gagne 230. Soit en ça. Correct là, on répond. Hein? Les enfants corrects, moi efface les. Si je n'ai pas compris, je dis question de l'examen comme ça, je vais vous gagner, je vais corriger vous. Et nous montrer comment travailler. Et dans une vidéo, on fait un check. Maintenant, l'autre question B, Astia. B, mon frère. Convert binary into 8 bits. Qu'est-ce qu'il dit? 8 bits binary. Voilà. Bon, 68 divisé par 2. Combien tu as gagné? Tu ramasses ce remainder de l'été. 68 divisé par 2. 68 divisé par 2. Tu as gagné 34 et remainder 0. Voilà, tu écris ça 0 là. Correct? Tu redivises par 2. 34 divisé par 2. Tu gagnes 17. Et remainder 0. Tu ramasses ça 0 là, tu mets là. Tu divises 17 par 2. 17 divisé par 2. Tu gagnes 8. 8 remainder N. Et ça N là, tu écris là. Tu redivises par 2. Tu gagnes 4 remainder 0. Tu écris 0 là. Tu redivises par 2, il vient D, remainder 0. Tu mets 0 là. Tu redivises par 2, il vient N, remainder 0. Ouais, tu mets 0 là. Et tu redivises par 2, tu gagnes 0, remainder 1. Et tu mets N là. Je vais dire, nous avons une réponse, je dis là. 0, je dis là, 0, 0, 0, N. 3 0 0 0 N 0 et 8 bits. Voilà mon gagne sa réponse là. Checké. On récréé. L'égal. Bon. 0 0 N 3 coup de 0 0 0 et la N. Mais combien de bits l'India? 8 bits. Il y a 4 et 4. Mais marque N Z. Marque N d'affaire là. On met Z. 0 pour faire les 8 bits.
voilà, ça n'est pas corrigé. On a une autre réponse. On efface ça. On espère que tous les enfants de comprendre, on fait des voix. Maintenant, on prend un point de l'exemple. Bon, on est presque arrivé à la fin pour Castel. Hein. On va faire le devoir, je suis disposé à faire. On est right. J'espère que mon vidéo, tous les élèves pour suivre. Et. On va mettre un coup de petit arrêt. Voilà, mais tu l'as là. Voilà, ça va me dévoiler la monde comme vous. Là, on arrive 240. 240 divisé par 2. Ok, on fait ça par division méthode. 240 divisé par 2. Divise 120. Voilà. Ouais. 0. Je pense que 120 divisé par 2. Divine 60, remainder 0. Mais rappelle bien, tu devais ramasser ça en 0. Là, là, on ramasse un 0. Attends. On devait créer pour là, monter dans l'espace. On ramasse 0, 0. Il y a une goutte de mauvaise erreur, non? 240 divisé par 2, il fait 120. Divise par 2, il fait 60. Divise par 2, il fait 30. Remainder 0, tu remettes 0 là. Divisé par 2, il fait 15, remainder 0. Et 15 divisé par 2, il fait 3, 7, il va se faire 14, remainder 1. Et 7 divisé par 2, il fait 3, combien 3, remainder 1. Allez, nous continuons. Nous presque arrive la fin de cette classe-là, quand il est arrivé là. Bon, mon corps, on a fait rire, une rire close. Bon, on arrive là, là. Hein? Voilà, 240 divisé par 2. 240 divisé par 2. Il fait à 120. Remainder 0. Après, ça lui met ça 0 là. 120 divisé par 0. Il fait à 60. Remainder 0. Il remet ça 0 là. 60 divisé par 2, fait à 30, remainder 0. Il remet ça 0 là. 30 divisé par 2, il fait à 15, remainder 0. Il remet ça 0 là. 15 divisé par 2, il fait 3, 7, remainder n. Après ça, il met ça n là. 7 divisé par 2, il fait à 3, remainder n. Après ça, il met ça n là. Et 3 divisé par 2, il fait 3, n. Remainder n, on met ça n là. Et n divisé par d, il gagne 0 remainder 1. Après ça, on met ça n là. Correct? C'est la réponse. Question pour moi? Question pour moi, non?
Mais mon corrige ça pour suite là, ma sample question ça dans l'examen de bien ça activer sur. Maintenant moi dans cours question pour suite. C'est quand coûte. Voilà, sa question là, je suppose que c'est ça pour moi là. Convert hexa to binary. Sans chiffre hexa ça, A, 9U. Vous trouvez là, A, 9U. Tu as besoin de faire une binary, chaque N digit, tu as besoin de faire 4 digits de binaire. 4 digits de binaire. Et 4 digits de binaire. Bon, E c'est quoi? Allez, E, diamant qui divine. E 14, non? 14, veut dire N, D, 4, 8. Il y a 8 plus 4 plus. 8 plus 4, comment ça fait? 12. 12 plus D fait 14. Ouais, N, D, 4, 8. 9. 8 avec N, non? N, D, 4, 8. 8 avec D fait 10. Voilà la réponse. Mets sa première réponse, celle-là. C'est quelqu'un qui dit bon? Ouais, N, 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 0. Et deuxième là. N00N. Et troisième là. N0N0. Correct? On finit explique ça. Question pour moi? Non. Allez, sinon, on prend un autre exemple, Pasteur. Et toute sa vidéo là, mon record, mon avoué, je te dévoile là, je vais vous mettre dans le cahier. T'as les objets de l'éducation de sa vidéo là, mon upload à YouTube. On presque arrive à la fin de sa classe là. Correct? Correct. Allez, l'autre numéro, convert hexa to binary. Une intense affaire de hexa, qui t'a fini par une binary. Mais dire, si tu veux bien, tu mets sur power, ça, 16 to power 0, veut dire 1, 16 to power 1, veut dire 16, 16 to power of 2, veut dire 256, et 16 to the power of 3, il fait 4000, 4086. Là, tu multiplies. N fois 4, 4, et F, F c'est 15, 15 fois 16, et A c'est 10, 10 fois 256, et D fois 4000 qui tueuse. Voilà ma réponse à toi ajouter, tu as 10 996. Ouais, ça va connaître comment faire les autres. Maintenant, presque la dernière question. Convert dinery to hexa. Ça c'est dinery, et tu veux faire une hexa. Bon. Une méthode faire, c'est là que tu veux faire, tu divises, division method, 7096 divisé par 6, tu gagnes 4D, remainder 7, et tu ramasses remainder là, tu mets là. Tu redivises par 6, tu gagnes 27, remainder 10. C'est moi, remainder 10, tu vas écrire avec la A. 27 divisé par 2, tu gagnes N, remainder 11. 11, tu vas écrire avec la B. Et N divisé par 16, tu as 0 remainder 1, tu mets là. Voilà, ça c'est division method. Correct, ça c'est division method. Moi, on divise, on a la réponse. Voilà, N, B, A, C. Ok, maintenant, l'autre méthode, comment faire ça? C'est heading method. Bon, mon classe peut arrêter là. Je vais arrêter chez sa vidéo là. Je vais rendre desktop. Je vais mettre mon vidéo. Ok, prêt, il y a